Tu es au dernier chapitre du jeu, je crois. Lève-toi, il va bouffer. Avant, c'était lève-toi et marche, maintenant, c'est lève-toi et va bouffer. Mon dieu, un terrible serpent. Ah, n'exagère pas, Yann, t'as cause pas à faire avant d'arriver jusqu'à t'habiller. Non, je valide pas ce jeu de mots. J'ai essayé, mais il fallait pas. Je sais pas où je vais. Pas par là. Le truc, c'est que j'aurai jamais le temps de finir l'année suivante dans ce live, puisque j'ai une deadline. Donc je pense que je m'arrêterai à la fin de ce chapitre-là, comme ça, je pourrais essayer de faire ça. Oui, tout à fait. J'ai le Covid. Alors, on a besoin de croûtards. Pourquoi est-ce que je dois sortir toutes les bouteilles de cette poubelle? D'accord. Il y a encore un étudiant en danger. Salut Mimi. Original pour baisser le tuyau. Attends, mais Mimi, elle a des cœurs. Salut! Ah. Vas-y, hein, balaye. Ok. Ah, attends, si, je peux déjà envoyer Croutard dans une partie. Peut-être qu'un truc se débloquera après. Vas-y, Peter, tout le monde te regarde. Ah. Ah oui. Ah, les toilettes étaient un peu bouchées. Hein. Ok. Salut! Quand on peut rendre service! Voilà, ok. On peut revenir sur Croutard. Ah, attends, c'est pas fini. Et maintenant, que vais-je faire? Ah bah ça! Voilà. Un crapaud! Ce doit être Trevor. Viens là. Thank you.
C'est un véhicule ventouse pour déboucher les toilettes. Mais sérieux? J'ai voulu en service, Chawad, ouais, voilà. Finalement, pourquoi avoir une simple ventouse chez soi quand on peut avoir un véhicule ventouse? C'est vraiment magnifique, Poudlard. Ça tourne, mais c'est hors champ, alors je vois pas ce que ça fait. Ah, oh. Salut! YOLO! Je peux reformer un squelette. D'accord. Bravo pour ton spectacle. Attends, mais y a un animal qui peut vraiment creuser ici, là? Observons. Aïe. Ah, ça c'est lié à la magie noire. Maintenant que je le sais. C'est le calmar géant du lac! Je peux boucher le calamar géant. C'est n'importe quoi. Mais c'est drôle. Je l'ai bouché. Voilà. Bon, on va aller du côté du... Ah si, je peux remonter par là. Après, je vais aller voir par le... ce qui me semble être l'accès principal là. Ah non, je dois récupérer les pièces pour faire un pont, j'ai compris. Là, il y a quelqu'un à remonter, là. Ces araignées refont leur toile à une vitesse, c'est impressionnant. Bon, allons chercher les pièces. La dernière fois que j'ai nagé, ça s'est mal passé dans le jeu, j'ai peur maintenant. Est-ce que c'est parce qu'il y a un accès en dessous ou c'est juste pour monter? Bah il n'a pas besoin alors. J'étais déjà arrivé là-haut sans avoir cette pièce là. Ok, là je peux faire ça. Souterrain c'est le feu. J'aimerais vivre en ermite, j'avoue. Ah. Un squelette pêcheur. Une ventouse. Il doit bien avoir un lapin crétin dans le coin. Ok. Attends, pourquoi le pont est un serpent? Très bien, écoute, moi je suis pas contrariant. Tiens, donne-moi la pièce bleue, tant qu'à faire, voilà. Ah. Moi, j'ai tiré dans le dos de Gilles de Roy Lockhart. Mais c'est mérité.
très créatif. Tu te demandes ce qu'ils ont fumé, mais très créatif. Non. Alors. Je parle fourche langue, tu es un serpent. Dans le doute, tire partout. Bon, ça a pas l'air. Ah si, c'est un ascenseur. Ah bah voilà. Non mais je cherche aussi, mais voilà. C'est simplement un très bel ascenseur. Allez-y, montez, hein. Vous ne risquez rien. Au pire, vous êtes dévoré vivant, c'est pas très grave. Ça c'est fait. C'est l'heure du basilic. Bien, alors. Qu'est-ce que je dois faire avec ce petit animal de compagnie, ma foi, fort sympathique? Une potion, visiblement. Oh. Ok, je peux me déplacer sans me faire tuer. Enfin, pour l'instant. Alors attends, je peux rentrer là-dedans. D'accord, premier ingrédient. Vite, sinon tu vas te faire légèrement détruire. Il était où le chaudron? Chaudron? Il était pas là le chaudron. Mais, attends. Il est là! Ok, Eda. Très bien, alors ensuite, je pense qu'il faut que je le fasse détruire quoi? La grille là, tu peux ou pas? Non. Ah non, parce que justement ça c'est ce que je dois ouvrir avec la potion de force, alors c'est pas ça. Alors détruis les rochers qui sont là, je pense. Vas-y. Ah, bah il m'a juste détruit moi là en fait. Ça n'a pas très bien marché. Vas-y, viens là. Après, je sais pas si c'est là, mais ce serait cohérent. Défonce la grille. Ah, ok. Ouais, bah, je me suis fait la même remarque, mais en fait, ça a pas l'air d'être ça. Vas-y, fonce, fonce. C'est ça. Alors, Lumos. Cassez-vous les plantes. Ou je vous éclaire à mort. Ah, oui. Bien sûr, c'est normal. C'est parfaitement logique. D'accord, il y avait un bout d'os. C'est ce qu'il me fallait. Ok. Et maintenant, les rochers de là-bas, je pense. Hop, on se cache. Tes yeux laser ne touchent pas à ce merveilleux tonneau en plastique Lego. Vas-y. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Bon, il m'a légèrement touché, faut reconnaître. Mais ça a marché. Mon dieu, un petit serpent dans un grand serpent. C'est une plante? C'était peut-être une plante en fait. Prends le cœur quand même peut-être, parce que voilà. Alors non. Alors non. Voilà. Potion de force. Vas-y. Maintenant, je peux ouvrir cette grille.
Ok, grâce à ça, je vais... Ah, voici Fume Sec et le Choixpeau. Ok, il a plus ses yeux laser. Alors. Bon, il m'empêche de passer par là, d'accord. Faut pas juste que je tire dessus quand même, c'est pas un truc comme ça. Ah si. Il a plus qu'un cœur, non? C'est pas ça? Ah si, d'accord. Ok. Je m'attendais à plus de recherches. En fait, non. Une trompette. Ça, c'était peut-être pour la tirer. Mais bon, apparemment, il est mort. Sur 3, d'accord. Ok, mais bon, visiblement, il n'y a plus de basilic. Ah si, il est là-bas. Il a juste été affaibli. Très bien. Ah mais du coup, Tom Jedusor ne m'empêche plus de passer là-bas. Faisons de la musique, c'est beaucoup plus joyeux. Ok, une chaîne. Deux chaînes. Ouais. Oui, mais... Ah d'accord, les deux en même temps. Ouais, c'est un tuyau dans Mario. Ça te téléporte au tuyau suivant. Le Choixpeau ! Ah oui, ok. Ça y est, l'épée de Godric Gryffondor. Eh bah, tiens. Non. D'accord, l'épée est revenue. Mais non, mais reviens! Ah, je suis tombé, mais comme une buse. Ah, cool. Je l'avais pas vu. Tchoum, tchoum, tchoum. Mais putain. Ah! Mais la perspective! La perspective! Voilà, je te plante. Pan. C'est impossible de viser! Ah bah voilà! Seigneur. Oui, c'est une technique. Ginny qui se fout de la gueule de Tom Jedusor, c'est un concept. Incroyable! On dirait de la magie! Une dague véritable. Stylé. Sauvé! Et bien voilà, c'est terminé pour l'année 2.
2020. Vous ne toucherez pas à un cheveu de Harry Potter, monsieur. Et voilà! Pam 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 p